Je voulais te proposer un petit jeu, Wally. Ouais. T'es en promo pour ton spectacle qui sort en 2024, qu'on peut voir. Allez voir sur les réseaux sociaux de Wally. On va l'indiquer, bien sûr, dans l'émission. Mais allez voir ce réseau s'il passe près de chez vous. Tu joues dans toute la francophonie. Partout. Donc voilà, donc le plus possible. S'il n'est pas près de chez vous, vous savez quoi ? Allez voir les théâtres près de chez vous. Dites, on veut Wally Dia dans notre théâtre. Et c'est parce que vous allez donner votre voix au chapitre que les gens vont dire, bah attends, Wally, il est beaucoup demandé. Rien qu'ils reçoivent, cinq mails. Ils reçoivent jamais de mails, ces gens. Donc, s'ils reçoivent 5 mails avec des gens qui disent on veut Wally Dia, tu vois, ils disent bah attends, c'est vrai ça, Wally Dia, c'est quoi ce Wally Dia ? Et puis ils vont réparer l'ascenseur. Et voilà, et ils réparent l'ascenseur et Wally Dia, il arrive dans la ville. Donc, c'est vrai, c'est vrai qu'on doit se réapproprier quand même cette part politique, c'est vrai, sans forcément culpabiliser. Ça s'appelle l'interview antidérapage. Il a très bien compris tout ce que t'as expliqué. T'as vu, il s'est dit ah ok, donc en fait pour le spectacle, il faut faire comme les politiques et comme Coca-Cola. Exactement. Un euro, ça compte. Chaque personne compte. Wally, si vous voulez qu'il dise ce que vous avez envie d'entendre, il faut aller dans sa salle. Et comme ça, s'il dit pas ce que vous voulez qu'il dise, vous huez jusqu'à ce qu'il dise ce que vous voulez entendre, parce qu'il est là pour l'oseille. Sauf que comme ils auront déjà payé, ça marche pas. Oui, mais pour la fois d'après, c'est ça que t'as expliqué. Ça va t'influencer. Changer de métier, je pense. Si tu te fais huer pendant une heure, je pense que. Alors, l'interview antidérapage, c'est quoi ? C'est. Il faut imaginer que t'es sur une des plus grandes chaînes de France. T'es vu par la plus grande audience de France. Je te dis alors, vas-y, parle-moi de ton spectacle. Et là, tu commences une phrase qui est le pire début de phrase à avoir. Et tu devras faire une souplesse dorsale. C'est-à-dire une souplesse pour. Il est en direct, en fait. T'es en direct. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit « Donc, Le Pen n'est pas antisémite », et qu'après, il a fallu que je fasse un antidérapage. Moi, le problème, c'est que j'ai tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que si je vais là-dedans, je me dis « Bon, foutu, foutu. » Wally-Dia, vous êtes là pour votre spectacle qui s'appelle... Vous n'avez pas encore de nom sur le spectacle. Il va s'appeler « Une heure à tuer ». Une heure à tuer. Mmh. C'est marrant. Wally-Dia, vous êtes là pour votre spectacle « Une heure à tuer ». En tournée dans toute la Franconie, mais avant, vous vouliez nous dire quelque chose. Ah oui, les femmes se plaignent beaucoup trop pendant l'accouchement. Wally, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Attendez, vous venez de dire, oui, les femmes, quoi, se plaignent beaucoup trop pendant l'accouchement. Mais c'est surtout quand on y assiste alors que c'est pas ta femme. C'est là où elles se plaignent beaucoup. Mais toutes les femmes... que t'es allé voir pendant qu'elles accouchaient alors que c'était pas la tienne. Je préfère quand même un accueil chaleureux, quoi. Ce serait quand même. Donc elles se plaignent de votre présence. Exactement. Ah d'accord. Ce qui est logique, ce qui est logique. Oui. C'est très. Bah écoutez, non mais franchement, je vois les spectateurs se sont rués sur l'étiquette de votre spectacle. Et ça, pour le coup, bravo. J'ai des gens sur les réseaux qui demandent. Et donc vous en avez tiré une leçon et vous avez cessé d'aller voir ces femmes dans les hôpitaux. Alors non, parce que je pense que justement, il faut participer. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Applaudir les femmes qui donnent la vie. Et au début, oui, c'était un peu gênant. Mais elles pensaient que c'était pour le personnel hospitalier. Non, elles n'ont pas compris que c'était pour elles. Et moi, je me mets devant. Okay. Il faut applaudir les femmes qui donnent la vie. Donc aussi la mère de Jean-Marie Le Pen. Le mec n'arrive pas. Le mec n'arrive pas à redescendre. Wally Dia, encore, on va montrer d'ailleurs un extrait de votre spectacle tout après. Mais avant de montrer cet extrait qui vous met vraiment à l'honneur et on voit que c'est un très très bon spectacle et les gens, je pense, iront le voir du coup. Vous vouliez dire quelque chose, justement, juste avant. Oui, je voulais dire qu'avoir un cancer peut être positif. Oh ! Alors, attendez, parce que je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, sont dans cette situation. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, Olivia ? Avoir un cancer peut être positif parce qu'on peut aussi en avoir deux. Et on regrettera le moment où on en avait qu'un. C'est comme quand on a le nez bouché, par exemple. On est là, c'est quand même mieux quand je respirais hier. Et c'est important de profiter de son cancer unique plutôt que... quand il sera généralisé. Alors, je suis un peu pêle-mêle, mais... C'est optimiste dans la tristesse. Vous êtes optimiste, oui, t'es un optimiste, en fait. C'est se contenter de ce qu'on a. Et la limite, vous la situez à combien de cancers qu'il naît, du coup? Je pense qu'au bout de 3, on est gourmand. Au bout de 3, là, on peut se plaindre. Gourmand, là, quand même, on est... Au bout de 3, on peut être un peu... Ouais, c'est quand même... voilà, la sécu va morfler, quoi. Ok, à 3, on peut commencer à se plaindre. Avant, vous pensez que... À 3, on peut commencer à se la raconter. D'accord. Bon, on va regarder tout de suite le sketch. Sur le concert. ça m'a beaucoup satisfait qu'il n'ait pas fait un jeu de mots avec l'astrologie. Il y a une espèce de double admiration. Il va s'en sortir avec un jeu de mots. Non, il ne l'a pas fait. Wally Dia, vous vouliez dire quelque chose dans cette interview, mais vous m'avez dit, on parlera du spectacle, mais juste avant, vous vouliez dire quelque chose. Le problème avec les migrants... Alors, attendez, il y a un problème avec les migrants ? Oui. Le problème avec les migrants, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de migrants. Et je trouve que le grand remplacement tarde. Parce que quand même, à un moment donné, on est là, on nous l'annonce, et non. Donc, moi, je suis un peu déçu. Ah, vous êtes un peu déçu ? J'ai envie d'assister à ça, quand même. Un grand remplacement.
Comment ça va se passer à votre Il y a eu les 30 glorieuses, il y aura le grand Comment vous le voyez, le remplacement, genre Bah déjà, vous. Ils prennent... Non mais du coup, c'est... déjà plus vous. Mais concrètement, mais encore, Kian et Kian, ça peut rentrer. Ouais, Kian, ça passe dans le remplacement. Kian qu'aujourd'hui, ça rentre dans le remplacement. Mais ça passe comment? Toc, 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 ils prennent la place. En fait, non, c'est des gens, ils vont venir, ils vont vous ouvrir. Ils vont rentrer dans vous. Ah, d'accord, ça ils vont refermer, ils vont marcher comme vous, mais c'est pas vous. Ah, du coup, ils seront blancs. Ils seront blancs. Oh, c'est bon. C'est bon. Ah, oh, j'avais peur du grand remplacement, moi. Non, moi, je suis saoul. Merde, c'est juste, vous êtes mort. Ça parce va, que Jean-Marie Le Pen. Non, non. Merde, arrête, arrête. Écoutez, vous avez vraiment réponse à tout. Et écoutez, en plus, j'ai cru à un moment donné que vous alliez déraper. Non, non. Et pas du tout, vous n'avez pas dérapé. Vraiment, c'est anti-dérapage total. Et une dernière question. On parlera du spectacle, naturellement. Mais avant, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Et c'est cette phrase qui est là. Ah oui, c'est vrai que je n'aime pas donner de l'argent aux SDF. Ah, vous n'aimez pas soutenir les gens qui sont dans la précarité? Non, parce que ils ne partagent pas la drogue qu'ils achètent avec. Attendez. Pour vous, les SDF sont des toxicomanes. Twitter, on voit X s'enflammer. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que c'est pour s'éloigner de la réalité. Et non, je veux dire, moi, je pense que quand on veut, on peut. Quand on veut. Et que les aigles ne se mélangent pas avec les pigeons. Oh là là. Et qu'un lion marche seul. Il ne fait pas du tout un antidérapage. Je vais aller tellement loin. Ouh là là, ça dérape. J'ai tellement dérapé. J'entends les moutons s'éloignent. Je suis encore de citation Instagram. Il est en train de déraper totalement carrière. Ça sur TikTok avec les sous-titres. Je pense que non, surtout que le SDF n'existe pas. Je veux dire, il y a les JO bientôt, donc il n'y aura plus de SDF, donc il n'y aura plus de questions. Plus de questions. Là, alors, il y a des gens outrés, mais le gouvernement vous salue. Macron vient de déclarer, je vous l'avais dit, qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues. Wally l'a dit, je ne crois pas que c'est mon ami à la base. Non, et c'est vrai. C'est vrai, ils vont flotter dans le ciel. Ils vont flotter dans le ciel. Un jour, ils retomberont. C'est vrai qu'il n'y en aura plus, du coup. Plus de SDF dans Paris. Alors, c'est les gens qui ont des hélicos qui vont gueuler, quoi. Mais sinon... ils gueulent beaucoup, quand même. Se plaignent beaucoup. Plus que les gens qui ont des cancers. C'est facile, un hélico, ça coûte cher. Vous avez quand même... pas beaucoup dérapé. Et ça, pour le coup, félicitations. Sur la fin, quand même. Oui, il y a eu un petit dérapage, mais c'était dérapage contrôlé, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est raccord avec tout ce qu'il a dit. Tu vois, il s'est dit les SDF sont pas des clients. Non, mais les SDF n'ont pas de télé. Donc, s'en fout. Pourront pas réagir. C'est pas, il y a pas de clic. Il y a pas de clickbait sur le SDF. T'as réussi à emmener Kian sur le terrain de l'humour obscur, noir et agressif. Et regarde, il le fait avec joie. Tu vas voir. Il a besoin d'un guide. Laisse son enfant grandir, tu vas voir. Tu vas voir. Attends, mais il lui prévoit un foutu de merde à lui. Et hop, il va s'énerver. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Et puis, vraiment, j'espère que ça va. Salut. C'est pour faire de rigoler des gens.